dans les gammes qu'aujourd'hui on peut vous proposer, on va avoir les gammes entrée de gamme, donc avec des profils et des panneaux qui seraient un petit peu moins épais, des panneaux qui sont très déco, avec des profils et des panneaux de 10 mm. On peut avoir également donc des panneaux un peu plus qualitatifs, donc avec des vitres laquées, avec des profilés en aluminium, sur quelque chose qui est très qualitatif. On est sur des épaisseurs de 16 mm, donc c'est des panneaux qui sont très lourds. Il n'y a aucun souci de stabilité, on peut le voir, hein, parce que en termes de glissement et puis de finition, on est quand même sur du haut de gamme. On peut avoir des panneaux et des ensembles avec des amortisseurs. Donc en fait, ça permet de ralentir le ventail en finition. Et en fait, c'est quelque chose qui est très souple et à la fois très lourd, donc pour avoir un meilleur effet et une qualité supérieure. Avec un nuancier qui est ici, où on peut faire toutes les compositions que l'on souhaite. Donc assembler des traverses, des miroirs. On a des vitres laquées, des vitres incisées, donc avec tout un tas de panneaux, de profils. Il peut y avoir également, donc avec les façades, des aménagements. Donc là, en fonction des dimensions, on étudie sur plan des aménagements avec des penderies et puis des tiroirs, enfin en fonction de ton plan.